Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Carte Blanche. Pour cette toute première édition, ce sera une mise à l'honneur d'un artiste d'exception. Sa vie, ses joies, ses peines, ses influences musicales. J'ai un véritable plaisir de vous présenter Monsieur Freddy Bourgeois. Non, je ne me souviens plus. C'était tout juste après la guerre. Dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, il dansait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis, quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Avec eux dans la rue, alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. C'était bien le petit bal perdu, chanson de Robert Niel, interprétée par Freddy Bourgeois. Bonsoir Freddy, comment vas-tu ? Bonsoir Jeff, ça va bien, et toi ? Je suis absolument ravi d'être en face de toi. Moi aussi. Pendant une heure et demie, nous allons faire connaissance. Alors, on va faire une sorte de chronologie dans le temps, de ta vie, de, comme je le disais tout à l'heure, de tes joies, de tes peines, etc. Là, on est en 1961, Bourville interprète cette chanson. Robert Niel a écrit cette chanson qui est une pure beauté. La chanson a été chantée d'ailleurs à la base par Juliette Gréco. Absolument. Voilà, Bourville l'a reprise. Alors, 1961, c'est l'année de ta naissance. Aussi. Beau bébé, j'imagine. Ah oui. Et puis, évidemment, il y a des retours d'enfance. On ne peut... pas faire autrement que de parler de maman et de papa. Donc, maman qui est surnommée Momo, c'est ça ? Oui, Monique. C'est ça, oui. Monique. Parle-moi un petit peu de ta maman et de ton papa. Alors, ma maman, si j'ai commencé par ce morceau-là aussi, c'était une bonne danseuse, une danseuse de valse qui a fait des concours. Et mon papa, c'était quelqu'un qui aimait la mélodie. Oui. Le Rat Pack, Dean Martin, Frank Sinatra, plein de choses. Et ma maman, c'était... plein de choses aussi, elle avait un rythme terrible. Si j'ai peut-être hérité de quelque chose au niveau du musical, c'est de son rythme. Il n'y avait pas,
pas de musicien chez moi. Pas de musicien? Non, un oncle qui jouait très bien, un oncle amateur qui était bon musicien amateur, mais pas de musicien professionnel. D'accord. Alors, je crois savoir que ton papa aimait de temps en temps quand même s'essayer un petit peu à la musique. Alors, il y avait un piano à la maison. Il y avait un piano à la maison. Voilà, il y avait un Bonnel, c'est un Bonnel de Rennes qui était un piano droit qui était dans le salon. Et de temps en temps, mon papa, il passait devant et ça lui arrivait avec son index de faire un truc comme ça. Il faisait... Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way we look tonight. Oh. The Way You Look Tonight, chanté par Frank Sinatra, 1964, je crois. Issu d'un film dont j'ai un petit peu oublié le nom, mais je crois que Fred Astaire chantait cette chanson dans le film. Donc, quelques influences dès le début, tout jeune. Des petites mélodies qui passaient comme ça, ouais, des mélodies de crooner, voilà. Alors, les années passent. Est-ce que déjà l'idée de faire de la musique ton métier commençait déjà à germer à ce moment-là ou pas du tout ? Absolument pas. Pas du tout ? Aucunement. Pas aucunement. Du tout. Par contre, j'étais très réceptif à la musique et surtout, je me sentais très réceptif au rythme. Le scat, peut-on parler de ce pap du bilda, do bilda. Quand j'entendais Louis Armstrong ou Ella Fitzgerald faire ça, je disais, ah, c'est bien ça. Alors, on commence déjà à avoir quelques petites idées de musicales, en tout cas, qui te plaisent, qui te parlent. 1972 arrive, tu commences déjà à être... J'ai 11 ans, je suis un pré-ado. Voilà. Tu es le tout dernier hein, d'une fratrie. Le cadet d'une fratrie 4, oui. Exactement. Alors, je vais les nommer, je les ai évidemment marqués. Cécile. Ma grande sœur. Louis. Mon grand frère. Voilà. Pierre. Le deuxième frère. Le deuxième. Et donc, évidemment, le petit Frédéric. Et mon dernier. Alors, évidemment, avec des frères et sœurs qui ont quelques années de plus que toi, qui doivent déjà eux-mêmes écouter déjà des musiques très différentes. Voilà. Si je te dis Neil Young, ça a été une révélation ? Ça a été un disque qui m'a fait tilt. Grâce à mes frangins, au grenier, on écoutait le disque. Et quand j'ai entendu ce disque, j'ai fait « Waouh, ça sonne terrible !» Et surtout un morceau auquel je voulais justement... Voilà, je voulais jouer ce morceau-là. « The Needle and the Damage Done ». Eh bien, c'est à toi. Allons-y. Some of you don't understand milk blood.
damage done. A little part of it in everyone. But every chunk is like a setting sun. The Needle and the Damage Done, Monsieur Neil Young. Ça rappelle des souvenirs, ça, hein ? Alors, ça rappelle des souvenirs musicaux. En fait, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était ça-là. Après, quand j'ai fait de la musique bien, bien plus tard, je me suis dit, ah, mais oui, l'harmonie de ce truc-là, c'était terrible. Les paroles, par contre, à l'époque, je ne les avais pas compris du tout. J'entendais ça. Ouais. D'ailleurs, tu peux... Alors, les paroles, oui, les paroles, c'est l'aiguille et le dommage causé. Ça en dit beaucoup. Ouais. Pas mal. J'ai quelques potes qui sont partis de ça, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Notamment un. Alors hommage à Bertrand Cassard. Fait. Il y aura plusieurs hommages ce soir. Ouais, ouais. Hein, évidemment, d'artistes qui, hélas, alors Bébert, nous ont quitté. Bébert, voilà. C'était un gars avec qui j'ai joué au tout départ, quand j'ai commencé la musique, donc vers 20 ans. J'ai joué avec Bébert et il nous a quittés peu de temps après, quoi. Voilà, de ça. On est en 1972 avec Neil Young, la même année, registre extrêmement différent. Et d'ailleurs, ça va sans aucun doute en satisfaire quelques-uns, qui nous regardent, puisqu'on va aussi parler de variété. Et de variété française. Aussi. Avec, je serais tenté de dire, une sorte de génie, et je vais donner un avis très personnel. Je trouve que ce génie ne l'a peut-être pas été assez, en tout cas, parce que je vais parler de Nino Ferrer. Ouais. Nino Ferrer, qui était un génie fou, véritablement. C'est un artiste qui t'a vraiment marqué. L'esthétique, le côté dandy moqueur, le scatter aussi, parce que ça lui arrivait de scatter, justement, lui, de faire des bruits avec sa bouche, l'attitude qu'il avait, tout ce qui dégageait, c'est un truc qui... Oui. Et en plus, bon, il est sorti en même temps que Harvest de Neil Young, ouais. L'album Métronomie, il y a des bijoux dessus, ouais. C'est juste terrible, quoi. Et à contrario, quand on parle de l'album Métronomie, qui a été un échec commercial, ouais. Terrible... Total, sauf une chanson... tu as décidé de nous l'interpréter ce soir. Voilà. Je ne vais même pas donner le titre de cette chanson, puisque tout le monde la connaît. Ouais, je pense. En tout cas, beaucoup de monde. Ouais, je crois. Ouais. C'est une pure merveille. On t'écoute. Je vais essayer de ne pas la sabrer. La maison près de la fontaine, couverte de vigne vierge et de toile d'araignée, sentait la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. À l'usine et au
supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. Freddy, bravo, bravo. Chanteur très avant-gardiste. Hein. Ah, complètement. Peut-être même, d'ailleurs, ça se demandait si c'est pas le premier chanteur écolo. C'est terrible. Moi, enfin, la fin, c'est moi, c'est, le ce n'est pas si mal et c'est normal, c'est le progrès. Super. Yes. Alors justement, il parle de notre société. Alors, des années 70, qui est une époque évidemment révolue. Quel regard tu as, en quelques mots, sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Oh, question ça, difficile, ça amplifié par 100, c'est-à-dire que c'est une belle moquerie. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que Nino Ferrer, c'était un peu un dandy moqueur. Oui, c'est vrai. Et la façon dont il se moquait, bah là, c'est terrible. Oui, forcément, bah, tout le monde le sait. Enfin, l'écologie, la crise sanitaire dans laquelle on est, c'est pas qu'une crise sanitaire dans laquelle on est. C'est une crise écologique, sociale, économique. C'est une crise de tout ce que les abus de l'homme ont fait. Et sur lesquels on arrive à un point, j'espère, pas de non-retour. J'espère qu'on arrive à un point de conscience. Il paraît que c'est cyclique. Oui. Donc, on va peut-être revenir. Un jour, je te promets, je nous promets que nous aurons enfin, où nous retrouverons les applaudissements et un public. Parce que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, beaucoup. Alors, justement, tu parlais de cette société qui part un peu dans tous les sens, qu'on a un petit peu de mal, évidemment, et que tu as un peu de mal, des fois, à suivre. Si demain, je te propose de prendre un avion, en faisant un petit test à l'avance, hein, évidemment, d'aller sur une île déserte, est-ce qu'il y a, il y a un album que tu aimerais emmener dans ta valise? C'est gentil de me poser la question, album, Jeff, hein. Mais est-ce qu'il y a le courant sur l'île déserte? Écoute, je me débrouillerai pour te trouver. Il y a un groupe électrogène. Je te trouverai un manche-disque qui marche avec, avec des piles. S'il y a un album, c'est souvent celui que je cite. Alors, j'ai écouté énormément de choses dans les années 70-75 grâce à à Frangine Frangin et tout ça. Il y a un album qui m'a, pendant toute la fin des années 70, de 76, 77, 78, 80, et malgré la période punk que j'ai vraiment vécue à fond, avant cette période-là, juste avant, en 76, il y a un album, une tuerie. Il y a eu plein d'albums d'ailleurs en 76, mémorables, des albums mythiques, il y en a un paquet dans cette année 76 qui a été une année magique. Et ben, je vais essayer de te faire deviner. Allez, je vais essayer. C'est pas le plus connu de l'album, mais c'est un morceau que j'adore. On est sur un chanteur français, étranger? Non, on va dire étranger. Juste. Étranger. Alors je vais essayer de deviner. Je suis un peu plus calé en variété française, je te l'accorde, mais bon. Alors, allons-y. If it's magic, then why can it be everlasting? Like the sun that always shines. Like the poet's endless rhyme. Like the galaxies in time. If it's pleasing, then why can it be never leaving? Like the day that never fails. Like on seashores, there are shells. Like the time that always tells. In all the key to every heart, throughout the universe, it fills you up without a bite and quenches.
cherishes every verse. So, so Jeff, est-ce que tu connais ce morceau? Alors, je sais que je vais peut-être en faire hurler quelques-uns derrière leurs écrans. Non, parce que c'est pas un morceau si connu que ça. Honnêtement. Alors, c'est un morceau qui fait partie de cet album magique. Oui. On est en 1976, tu as dit, c'est ça ? On est en 76, dans lequel il y a plein de tubes, tu vas comprendre après. Ce morceau, en fait, il fits magic, il parle d'amour, mais sans jamais nommer le mot love. D'accord. Mais il parle de vraiment ce qu'est l'amour, si c'est magique. Il y a tellement de tubes, je ne sais pas par... En fait, je vais te jouer le plus célèbre, même s'il y en a plein qui sont célèbres. J'ai celui-là, forcément, tu le connais, la planète entière le connaît. Je me demande si les extraterrestres le connaissent pas. Non. D'accord. Ça te dit quelque chose ? Ouais, ça te dit quelque chose. Tu chanteras bientôt, je crois, non ? Ouais, il y a des chances. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. So, isn't she pretty? Best boy, I'm so happy like you. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done through us. He's given life to one. But isn't she lovely, made from love? Monsieur Stevie Wonder. Ouais, Monsieur Stevie Wonder. Ah ouais, 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 c'est une merveille. Et donc, alors donc la première chanson s'appelle que tu. If It's Magic. D'accord. Qui fait partie de ce même album qui s'appelle Songs in the Key of Life. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est juste une le tuerie. Double album orange de 76 pour ceux forcément tout le monde connaît Isn't She Lovely, mais tout le monde connaît aussi I Wish. Oui. Tout le monde connaît. Exact. Tout le monde connaît Sir Duke. Ba 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 ba. Pop dop 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 da da da. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît aussi ça, que je tombais là-dessus. Moi. They're spending most their life living in a pastime paradise. C'est voilà. Donc Monsieur là, on est en. Donc c'est une. C'est plus qu'une révélation, en fin de compte, pour toi, 1976, puisque tu écoutes ça, tu tombes évidemment des nues. 1976 aussi, c'est un premier grand voyage en Angleterre. Oui, en fait, je découvre l'album au moment où je vais pour la première fois en Angleterre, oui. D'accord. Donc, l'Angleterre... Fin d'adolescence agitée, de toute façon. Fin d'adolescence agitée, donc c'est déjà... Bah, là, j'ai 15 ans, je suis début d'adolescence, premières amours. Oui, premier flirt, en tout cas. Premier flirt, premières amours. Et la musique, des fois, il y a des déceptions, mais la musique, elle répond toujours d'une autre façon. J'écoute énormément de trucs à cette époque-là. Je me souviens de Chicago, d'ailleurs, qui était la même harmonie que Isn't She Lovely, mais... Je me souviens de tous ces tubes-là. Juste une tuerie, quoi. C'est là où je découvre aussi Steely Dan, qui a été une grande influence pour moi. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que tu arrives, en fin de compte, sur des sons, comme les jeunes disent maintenant ? Parce que t'as vu qu'on dit plus musique maintenant, on dit je fais plus de musique, je fais du son. Bon bref, donc là on passe de quelque chose de totalement différent avec Stevie Wonder, avec Neil Young, etc. Et là on traverse l'océan Atlantique, on se retrouve au Brésil. Oui. Et tu découvres des sonorités très exotiques, je serais tenté de dire. J'allais dire la musique brésilienne, ou plutôt je dirais les musiques brésiliennes, parce qu'il y en a plein. Si je te dis Antonio Carlos... Jobim, alors je sais pas si ça se dit comme ça. Jobim. Voilà. Ça aussi, c'est. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un musicien brésilien évidemment. Alors certains disent qu'il est un peu le cofondateur de la bossa nova. Fondateur, moi je le mets comme fondateur. Il est cofondateur. Après, tout le monde connaît le. Oia que coisa mais linda, mais gente de graça. Tout c'est. Voilà, fait partie des. Quel ressenti tu as quand tu. Quand tu interprètes et quand tu joues cette la musique brésilienne, cette musique. Alors il y a eu plein, parce que comme je t'ai parlé tout à l'heure, oui, la période punk, les Clash m'ont marqué aussi, il y a plein de choses, Weather Report, à l'époque je commençais à écouter plein de choses. La musique brésilienne, elle m'a touché vraiment au fond,
au vraiment au fond du cœur, quoi. Toutes les musiques brésiliennes, il y a une âme, il y a quelque chose qui se passe, et il y a une richesse mais extraordinaire. Alors Antonio Carlos Jobim fait partie des pères, on va dire, de cette musique-là, de la bossa nova. Oui. Et je voulais jouer un morceau, en fait, qui est une composition, je crois que c'est Vinicius de Moraes qui a dû faire les paroles, et Jobim la musique. C'est samba sur une seule note. Donc, samba de humanotasso. Nous t'écoutons, Freddy. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Começou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto, não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada. Nadeu nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou contar com minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fica sempre semendo. Dim do do dim do dip, pa de a da dips de do dim de day, pa do daf, pa do do dim do daf, pa de a da dim do a, po dim de a do be a di a do be da di a do di a do do, pa do be da do da ba da. Antonio Carlos Jobim. Bravo, bravo, bravo. Tu as eu l'occasion de partir au Brésil, de jouer cette musique là-bas? Jamais. Ça a été un rêve que j'avais fait avec quelqu'un et ça n'a pas pu se faire. Bon. Écoute, quand ce monde ira mieux. Oui, peut-être, voilà. Oui. J'ai souvent dit qu'il y a énormément de destinations qui me plairaient. J'aimerais les faire avec un guide. Parce que le Brésil, d'ailleurs, fait partie des destinations qui sont moins sûres qu'elles ont pu l'être à une certaine période. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, j'adorerais toujours. Oui. En tout cas, je te vois bien là-bas, sur une plage de Copacabana, en train de jouer tout ça. Bon, bref. Les années, on va continuer de poursuivre cette petite chronologie, cette belle chronologie, quoi qu'il en soit. On est en 1982. Oui. Alors ça, c'est une année qui, sans aucun doute, doit être marquante pour plusieurs points en ce qui te concerne. Premier point, pardon, c'est que c'est ta toute première composition.
tu décides véritablement de te consacrer. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que décides de te consacrer à la musique? Alors voilà, en fait, je commence la musique un peu par désœuvrement. Ouais. En 80, j'ai 19 ans, je commence à prendre des cours parce que je ne me vois pas faire vraiment un autre métier, entre guillemets, classique, ni plan A, ni plan B, pas vraiment de... Voilà, j'ai travaillé un petit peu, mais voilà, j'ai envie d'apprendre. En fait, j'ai envie de comprendre l'harmonie, ouais, le rythme. Ouais. Ce que justement, je ressens depuis que je suis tout petit, dont je parlais, j'ai envie de comprendre ce que c'est. Donc, j'apprends à lire rythmiquement. J'ai appris très vite, en 3-4 mois, j'apprends à comprendre ce qui se passe dans le système rythmique. Super. Et après, je veux comprendre l'harmonie aussi, quoi. Donc, je prends des cours et je m'intéresse. Et de 80 à 82, j'apprends beaucoup. Je vais même apprendre... On va dire que jusqu'à 85, je vais même apprendre beaucoup. De 80 à 82, je fais des petits essais de composition, mais la première composition... C'est celle qui va venir. En 82, alors, oui. On dit évidemment que toutes les chansons ont une histoire. Celle-ci, elle est particulière, parce que c'est la disparition d'un ami proche qui va évidemment t'émouvoir au plus profond de toi et qui va t'inspirer pour écrire cette musique. Première vraie composition, même si c'était des essais, les autres c'était des essais, je m'amusais à trouver des petits trucs comme ça. Mais bizarrement, la mort de cet ami proche, de Stéphane Firmin, la mort brutale et perturbante, ça a fait que quelques semaines plus tard, j'ai posé la main sur mon clavier. Il y a deux accords qui sont tombés. Et l'état dans lequel je devais me trouver a fait que immédiatement, la mélodie est arrivée. Elle a été enregistrée avec le Fred Bourgeois Group sur Chimborazo et ensuite, enfin, sur Un ange passe avec des paroles, la dernière version. Les paroles étaient venues plus tard, bien plus tard. J'avais du mal à sortir les mots. Ouais. But when I close my eyes, my friend, I see your heart.